La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. La ville de Saint-Denis a à cœur la réussite éducative et personnelle de sa jeunesse et elle l'a encore prouvé la semaine dernière à Sainte-Clotilde. La municipalité a remis à 19 jeunes dionysiens une bourse de voyage, une aide financière leur permettant de concrétiser leur projet. La destination c'est Vietnam, donc on va dormir chez les paysans, on va apprendre un peu, on va découvrir d'autres choses, quoi. Mon projet est de réaliser mon stage dans un contexte international pour mon BTS assistant manager. Et ça se situera en Afrique du Sud pour une durée de 6 semaines. C'est quand même une aide financière non négligeable et c'est une belle opportunité. Bon, déjà on va aller au centre de formation de Strasbourg pour découvrir le monde professionnel. Puis on va aller en Allemagne faire des matchs en Suisse. Et en Alsace. Initiée en 2015, la bourse de voyage a pour objectif d'aider les jeunes dionysiens âgés de 6 à 30 ans à découvrir le monde. Ainsi, la ville souhaite les préparer à une plus grande mobilité, notamment en participant à la réussite de leurs projets culturels, sportifs, linguistiques, citoyens et professionnels. 130 bourses de voyage ont été accordées donc, lors du dernier conseil municipal. Mais si on fait le bilan depuis 2015, plus de 1000. Plus de 1000 jeunes sur Saint-Denis ont bénéficié donc de ce dispositif innovant qui permet aux jeunes de voir au-delà de Saint-Denis, au-delà de la Réunion, puisqu'il est important que nos jeunes puissent voir ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre, pour connaître. Et quand on comprend, quand on connaît, on n'a pas peur. Si vous avez un projet de voyage prévu au premier semestre 2019, vous pouvez faire votre demande jusqu'au 12 octobre 2018. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville www.saintdenis.re. Loupe et crayon à la main, ces petits dionysiens explorent le jardin de la mairie annexe de Montgaillard. Mais que cherchent-ils ? Ce matin, on allait chercher des petits animaux. J'adore trouver des insectes et tout ça. On a vu des araignées, des fourmis, des guêpes. On a cherché le pollen. On a trouvé des insectes. C'est dans le cadre du dispositif Bon Plan Vacances que ces enfants participent à un atelier de découverte et de construction d'un hôtel à insectes. Un atelier qui compte parmi plus de 74 activités de culture, de loisirs et de sport pour moins de 2 euros. Ces activités sont proposées aux enfants qui ne peuvent malheureusement pas partir en vacances, d'approfondir leur culture, quelle que soit la discipline. À la Cité des Arts, c'est une autre ambiance qui règne. Une vingtaine d'adolescents profitent des vacances pour faire un stage de danse urbaine. Une belle opportunité pour eux. On apprend, moi j'ai pas l'habitude de danser. C'est la première fois que j'essaye de danser, je trouve que c'est bien. Ça oblige à sortir de la maison, ça évite de rester devant la télé, à rien faire. À la maison, c'est vrai qu'on peut faire des jeux, mais après c'est bien aussi de sortir. Ça change les idées. Les bons plans vacances continuent jusqu'au 2 août. Du karting au cinéma, en passant par la randonnée et le théâtre. Un panel d'activités bien rempli qui attend les enfants de 3 à 17 ans pour les vacances. L'image de la semaine, c'est l'exposition Talent des femmes qui se déroule actuellement à l'ancien hôtel de ville. Proposée par le Soroptimis International Club de Saint-Denis, elle met en avant le travail des artistes femmes de La Réunion. Une exposition à découvrir jusqu'au 31 juillet. La grande fête du livre pour la jeunesse revient une dernière fois à Saint-Denis, consacrée au 350e anniversaire des Fables de La Fontaine. Partir en livre, c'est une multitude d'activités. Rendez-vous donc ce dimanche 22 juillet au Parc de la Trinité, de 13h30 à 16h pour en profiter. Votre Dionysie Actu est à présent terminée. Rendez-vous mercredi prochain pour votre Dionysité Mag. Bon week-end et à bientôt. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.